Salut à toutes et à tous, c'est Nimpitizer, c'est aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la story FIFA 12 en speed. Donc dans le dernier épisode, nous venions de faire un match un peu chelou. Enfin, des bons matchs quoi, donc là bah, on va continuer donc avec la suite des transferts et des matchs à simuler. Bien, donc ben normalement vous allez le voir, hein, je vous présente la nouvelle qualité, donc plus de machin bizarre au milieu de l'écran, que de la belle qualité. Excusez-moi, je viens de manger, donc ce joueur là de Shrewsbury, hein, je vous le dis tout de suite, je ne l'aurai pas, mais pas du tout. Le mec, j'ai quand même un moment, vous allez voir, hein, je lui ai proposé un contrat. L'équipe n'a pas bougé un poil. Donc, nous allons chercher quelques joueurs, hein, donc pour étoffer encore un petit peu le... Enfin, un effectif jusqu'à la fin. Donc, voilà, on met les trucs habituels. 85, 80 en endurance et vitesse. Maximum... 5 millions d'euros, hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Sissoko, Mangou. Mangou, bon, ben, pas mal. Vraiment de belles statistiques, mais un peu cher quand même, hein. 4 millions. Un joueur, alors qu'on peut prendre un peu plus avec d'autres joueurs. Ouais, bon, ben pour l'instant rien d'intéressant, donc voilà, on se retrouve à la fin de la liste, avec pas mal de petits joueurs pas chers, mais vraiment pas chers, mais de bonne qualité. Donc Lee Yoon-jin sera la première recrue, oui, car bon, il va y avoir quelques péripéties, vous allez le voir juste après, quelques péripéties pour l'avoir, ou un petit peu plus tard dans les autres vidéos, je sais pas si ça se pose dans celle-là ou dans l'autre. Mais il va y avoir quelques péripéties. Donc après, normalement, si je me souviens bien, quel joueur va venir? Ah oui, Alston, donc lui il va dire non. Pourtant il a de bonnes statistiques. Donc Alston va dire non car ben, l'équipe manque de joueurs. Mais je l'avais pas vu. Je fais pas vraiment attention. Donc pour l'instant on y va, on continue. Donc on va aller en conférence de presse pour le match contre Sedan. Un très bon transfert accepté, enfin en premier lieu accepté. Vous allez me voir, il va pas le vouloir, donc là ils me disent qu'ils n'ont pas assez de joueurs à ce poste. Ok, bon. On loue l'équipe et on continue. Donc oui, je remercie aussi les deux nouveaux abonnés. Hein, que... Alors il y en a... enfin comment on appelle, enfin voilà quoi, c'est quelqu'un que je connais sur Skype et un autre, ben un bon youtubeur qui est très sympa. Donc voilà, je vous remercie tous les deux nouveaux abonnés, donc on est trois, hein. c'est pas mal, c'est déjà très bien. Donc là vous voyez voilà Lee Yoon-jin qui refuse. Donc oui, je disais voilà, donc je vous remercie et voilà, donc ben j'espère que ça va continuer à monter en abonnés. Faut qu'on soit une belle communauté de gens qui aiment bien FIFA. Et peut-être d'autres jeux aussi, hein. Vous inquiétez pas, je mettrai peut-être d'autres jeux. Donc voilà. Ben là, Lee Yoon-jin, donc vous avez dû le voir. J'ai proposé un nouveau contrat avec 20% de prime. Oui, parce que dans FIFA 12, ils acceptaient plus. Enfin, plus facilement quand on mettait des... Comment on appelle ça, ben les primes un peu plus grandes. Et on avait plus de chances d'avoir le joueur. Donc vous voyez sur le classement qu'on a 5 points de retard sur le Havre. Donc là, Lee Yoon-jin qui cotait deuxième refus. Mais je m'en fous complètement. Hein. Je vais l'avoir coûte que coûte. Mais bon,
comme vous voyez, l'impression de liste de refus, mais bon aussi, il y a mes joueurs à moi que je voulais pas vendre. Donc j'ai proposé un nouveau contrat et je vais voir un petit peu où ça en est. Voilà, Taylor, je ne l'aurai pas. Impossible. J'ai eu beau faire un nouveau contrat, il n'a pas voulu. Là, je regarde un petit peu comment c'est. Tiens, en voyant la compo, vous voyez donc. Eh ben donc, va se blesser 6 semaines au prochain match. Hein, je vous dis tout de suite, comme ça au moins c'est plus pratique. Normalement, je crois qu'il va se blesser au prochain match simulé qui est contre Sedan. Donc là, le NEC qui me propose pour Subasic et Lee Hyun-jin qui accepte, donc on a une nouvelle recrue, Lee Hyun-jin. Oui, Subasic, je refuse parce que bon, bah, c'est mon gardien principal. Il est bien meilleur que ce vieux truc de Smith là. Donc je vais le mettre à la place de Sally, enfin à la place de Broker, et Broker je vais le mettre à la place de Sally, et Sally va aller sur le banc. Vous voyez que quand même Sally, pour un joueur de 19 ans, 4 étoiles en geste technique, c'est vraiment pas mal. Ah oui, mon pro, bien sûr, est de retour. Hein, mais vous allez voir aussi, je crois que normalement, je les ai fait tout à l'heure, les vidéos. Normalement, je crois qu'il va encore se blesser, mon joueur, mais pour une durée moins longue que la première fois. Donc là, match contre Sedan. Donc là, je vais skipper plus vite. Donc un but partout, un but de mon pro, enfin Telon, et un but de Edeline pour Sedan. Et la blessure de mon pro. Bah, ah non, là, c'est mon pro qui se blesse à ce match-là pour 6 semaines. Et donc, qui se blessera 6 semaines aussi, mais au prochain match, je crois alors. Donc, eh ben, on va enlever mon pro, hein. On va enlever mon joueur. On va mettre Dirard normalement, voilà Dirard, et on va faire sortir mon joueur de la compo et on va mettre Danom, voilà. Donc voilà hein, pour ce premier match simulé. Donc on va une proposition pour Subasic encore. Alors eux ils vont monter jusqu'à 2,3 millions. Oh quelle horreur, c'est ce club qui veut vraiment Subasic hein, c'est parce que apparemment, ce joueur est excellent. Hein. C'est vrai que c'est un bon joueur. Hein, vous voyez quand même, il est arrivé à 70 de général, hein, Subasic. Donc là, je repropose un contrat plus gros pour Taylor. Apparemment, c'est parce que... Ah, bah oui. Je viens de comprendre, en lisant le truc, je viens de comprendre. C'est parce qu'il y a d'autres clubs qui le veulent. Et apparemment, bah, ils n'ont pas su se décider, Shrewsbury. Bien, bien, bien. Donc là, bon bah on cherche quelques milieux de terrain. Et voilà. Voilà, là je vais plus bas. Alors je sais pas si vous me voyez, mais je vais prendre Mohamed Larté. Un jeune joueur, enfin quand même 25 ans, l'Arte, mais d'excellentes statistiques. Donc je vais proposer pour 1,304 millions, là, un truc comme ça, voilà. 1,304,000 euros. Je regarde, Odoa m'a dit ça me tentait, mais j'ai finalement dit non, je reste comme ça. Là, John Taylor, hein, on va proposer, mais il ne dira rien jusqu'au bout. Donc là, le NOC qui continue. 2,5 millions, pardon, le plus gros, 2,5 millions. Et là, bah, l'Arte, le club dit oui. Donc moi, bah, j'envoie une proposition.
Donc là, on va continuer sur les 7 heures de transfert encore. NEC qui finalement, voilà, abandonne. Là, il refuse. Je me dis, merde, mais c'est pas possible ça. Alors, je le veux. 20%, hop, voilà, 4400, 4 ans. Allez, hop. Tu vas dire oui, Polo. Et il va dire oui. Je vais l'avoir. Voilà, il a dit oui. Ça c'est fait. Ouais, les musiques de FIFA me manquent un peu, elles sont sympas. Celles de FIFA 13, vous entendrez. Elles sont vraiment pas mal non plus. Alors, FIFA 13 c'est pour bientôt. Donc avec Monaco. Hein, mais qui seront en Ligue 2, hein, quoi qu'il arrive en résultat à la fin de cette story, nous repartirons encore une nouvelle fois de deuxième division. Donc bah voilà. Hein. Ah, deux propositions d'un Van qui à leur tour demande Subasic. Et là, Yatabaré, j'ai réfléchi, Osco, mais je dis non. Yatabaré, c'est un bon remplaçant au cas où, si j'en ai besoin d'ici la fin de saison, qui arrivera bientôt. Donc là, il me propose 1,6 million. Non. Normalement, sur tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, je suis arrivé au mois de mars. Donc là, les transferts sont finis. En plus, je disais, je suis arrivé au mois de mars, hein, donc il y en a pour plus beaucoup de vidéos, hein, peut-être une semaine ou deux, ou même pas. Ce sera pour bientôt. Donc là, rien donc. Ah bah non, il s'est blessé en entraînement et non en match. Donc il s'est blessé à l'entraînement, donc ben voilà quoi. C'est pas cool. Non, c'est pas cool du tout. Je pensais peut-être faire peut-être une vidéo autre chose d'ici là, je sais pas, j'hésite. Je vois, hein, peut-être un gameplay, enfin peut-être un commentary sur Call of Duty MW3, mais pas sûr, peut-être autre chose, on verra, ou sinon la suite de la story, hein, comme prévu. Alors je vous préviens, la prochaine story, donc là on affronte la CA, alors voilà. La CA. Et normalement, on va gagner, hein, grâce à Dirard qui a marqué. Donc oui, je disais la prochaine story, enfin peut-être avant la prochaine story, il y aura peut-être une petite détente, je sais pas. Peut-être un live, je sais pas. Hein, on sait pas si on prend le live, hein, ça dépendra peut-être, hein, on verra. Bien, donc et ben je sauvegarde, donc là ben j'ai sauvegardé et donc c'est la fin de cette vidéo et donc on se retrouve pour la prochaine. À très bientôt, ciao tout le monde.